wird Ihnen präsentiert von Rolex. Sie ist eine der vielseitigsten Künstlerinnen der Welt, fünffache Grammy-Preisträgerin und eine visionäre künstlerische Leiterin. Finalement, le secret c'est la passion. Dans tout, c'est l'ingrédient plus important. Vision et passion. Cecilia Bartoli hat uns zu einem exklusiven Blick hinter die Kulissen eingeladen. Frauen an der Spitze, Cecilia Bartoli. Die Wiege der Oper, ein kulturelles Zentrum seit der Renaissance. Und eine der größten Künstlerinnen unserer Zeit, Cecilia Bartoli. Firenze è magica, una città meravigliosa. La primissima opera fu realizzata, fu cantata proprio qui a Firenze. Die legendäre italienische Mezzosopranistin singt das barocke Meisterwerk Alcina von einem ihrer Lieblingskomponisten, Georg Friedrich Händel. Sie wird von ihrer Mutter Silvana Bazzoni Bartoli begleitet, die ihr die Leidenschaft für Musik vererbt hat. Benannt nach der Schutzheiligen der Musik war Cecilia immer von Musik umgeben. Ihre Eltern waren beide Opernsänger. L'inizio è stato, sì, posso dire naturale in realtà, perché mia mamma cantava, io ero nella sua pancia e lei cantava. Anzi, forse era quasi più naturale sentir cantare che parlare, cioè in casa. Die beiden verbindet eine enge Beziehung. Io avevo capito già quando era bambina che era molto musicale, avevo la facilità degli acuti e lì gliel'ho insegnati, però lei aveva la predisposizione a fare l'agilità, quando mi metteva il pianoforte lei mi scappava, io non riuscivo neanche a tenerla, no? Però lei è stata anche furba. Lei mi ha dato questa tecnica solida che mi permette, mi ha permesso di cantare per 35 anni e ancora lo faccio. Die in Rom geborene Sängerin startete eine einmalige internationale Karriere. Sie ist auch für ihre herausragenden Aufnahmen bekannt, von denen sie mehr als 10 Millionen Alben und DVDs verkauft hat. Mehr als jeder andere Klassikkünstler. 2016 verwirklichte Cecilia Bartoli einen Herzenswunsch. Sie gründete ihr eigenes Orchester mit historischen Instrumenten, Les Musiciens du Prince, das den Klang der Barockzeit widerspiegelt. Ormai è diventato un team, un po' una famiglia. È vero, è vero. Ci intendiamo musicalmente, basta uno sguardo, sia Cecilia con noi, sia io coi musicieni. Come diceva appunto il maestro, con i Musiciens du Prince ci conosciamo, respiriamo insieme e penso che questo sia proprio fondamentale. Respirare insieme e far musica è il segreto. Essenzialmente noi usiamo gli strumenti, copie di strumenti spesso che venivano usati all'epoca del compositore. Quindi è tutto un recupero per tornare al suono che sentivano i contemporanei di quel compositore.
Den Meisterwerken gerecht zu werden, ist für Cecilia Bartoli eine Herzensangelegenheit. Sie ist auch eine leidenschaftliche Musikarchäologin. In Bibliotheken hat sie längst vergessene Komponisten und Meisterwerke ausgegraben. Ça, c'est la curiosité. Alors, c'était grâce à des grands musiciens qui, eux-mêmes, ils ont eu la curiosité d'aller chercher du répertoire et ils m'ont transmis ce désir de recherche. Et je pense que c'est, oui, il y a encore de la musique à découvrir qu'on ne connaît pas aujourd'hui et que ça vaut le coup, ça vaut la peine. Besonderes Interesse weckte bei ihr das Repertoire, das ursprünglich für die Stimme von Kastraten komponiert war. Einigen dieser Meisterwerke leiht sie ihre Stimme. Le programme dédié à Farinelli, c'est spécial. Il faut se projeter dans le 18e siècle. Farinelli, c'était le grand popstar. Il avait une flexibilité dans la voix. Il avait aussi, il arrivait à faire des choses tellement magnifiques dans la douceur, dans la grande agilité aussi, la pyrotechnique. Lui pouvait vraiment dialoguer avec les instruments de l'orchestre. Pourquoi elle est si unique? Eh bien parce que tout est simple avec elle. Quand elle arrive, automatiquement, elle capte la lumière et elle a ce privilège des très grands qui est la simplicité. Et je dirais que chaque fois qu'on joue ensemble un morceau, on le recrée à chaque fois. C'est-à-dire qu'on est dans la magie de l'instant du concert. Il n'y a pas deux concerts qui sont identiques. Et c'est d'ailleurs ce qui fait la magie et l'entretien de cette magie sur toutes ces années. Jetzt hat Cecilia Bartoli ein neues Kapitel in ihrer atemberaubenden Karriere aufgeschlagen. Sie steht nicht nur auf der Bühne, sondern zieht jetzt auch hinter den Kulissen die Fäden. Cecilia Bartoli ist die neue Direktorin der Opera de Monte Carlo. Sie ist die erste Frau an der Spitze des Hauses. C'est la première fois que je dirige un théâtre. Je viens de diriger un festival à Salzbourg. C'est un festival très important, celui-là de Pentecôte. Mais c'est vrai, diriger un théâtre, c'est autre chose. Et finalement, le secret, c'est la passion dans tout. C'est l'ingrédient plus important, vision et passion. Cecilia Bartolis neue künstlerische Heimat ist ein architektonisches Juwel von Charles Garnier, dem Baumeister der Pariser Oper, eröffnet 1879. Dès qu'on rentre, on arrive à ressentir tout de suite cette tradition incroyable. C'est magnifique, c'est un lieu magique. In der Saisoneröffnung hat sie den weltberühmten französischen Countertenor Philippe Charouski eingeladen. Sì, perché è troppo bello fare musica insieme. Tu vois, la perfezione, oui. Lei. Je regarde là. Je crois que je chantais avec Cecilia avant même de la rencontrer. Je dirais. Mais c'est, je pense que je ne suis pas le seul chanteur. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu un choc esthétique, émotionnel, en découvrant ces albums. Et c'est vrai que je ne m'imaginais pas, évidemment, partager la scène un jour avec elle. On a beaucoup de plaisir à jouer aussi ensemble. Il y a une alchimie entre
entre tous les chanteurs. Il y a une volonté de se surpasser pour elle aussi, d'être à la hauteur de sa confiance, tout simplement, et puis d'être inspirée par ce qu'elle propose, qui est de toute façon, je pense, unique dans l'histoire de la musique. Sie hat ehrgeizige Pläne für ihre Amtszeit. Sie will das Publikum auf eine musikalische Reise durch drei Jahrhunderte mitnehmen. Ihre Leidenschaft für die Bühne bleibt dabei ungebrochen. D'être sur scène, c'est... On peut pas comparer ça. Il y a pas de mots pour ça, non? C'est... On s'arrête. Là, tout le monde s'arrête de respirer. On est suspendu. Et c'est une autre dimension. Là, c'est... on peut parler même d'un moment sacré. Il faut se projeter vers la modernité, vers, bien sûr, le futur, mais avec un petit œil aussi vers le passé. Le rêve, c'est d'être là et continuer à faire de la belle musique, de continuer cette passion et de la partager. Musica wurde Ihnen präsentiert von Rolex.